Bonjour, voici le jeu Politiclac, un jeu de... de moi. Alors, nous avons pour chaque joueur une tapette, une paire de lunettes et une carte main verte d'un côté pour la main gauche et main rouge de l'autre pour la main droite. Ensuite, nous avons ici un grand paquet de cartes. Sur ces cartes, nous retrouvons des figures de personnages politiques. Tous ces personnages politiques ont trois critères, une couleur pour les yeux, une couleur pour le nez et une couleur pour la bouche. Alors, dans un premier temps, on étale tout ça sur la table et ensuite on va mélanger trois autres paquets correspondant aux trois critères. Vous voyez, pour les yeux, vous avez les trois couleurs, rouge, bleu et vert. De la même façon, nous avons un paquet pour les nez, toujours dans les mêmes trois couleurs, bleu, rouge et vert. Tout ceci étant bien évidemment bien mélangé. Et enfin, pour terminer, pour les bouches, de la même façon, les trois couleurs que nous retrouvons, bleu, rouge et vert. Chaque joueur va choisir un côté de la carte et va poser sa main secrètement comme ceci sur la table. Ensuite, on retourne un critère de chaque. Une fois ceci fait, tous les joueurs en même temps soulèvent leurs mains. S'il y a un maximum de couleur verte, on va attraper la tapette de la main gauche, un maximum de couleur rouge de la main droite. Une fois qu'on a repéré la carte ou qu'on pense l'avoir repérée, on met d'abord les lunettes, ce qui nous donne un air évidemment très intellectuel, comme vous pouvez le constater. Et immédiatement, on s'empare de la tapette et on essaye de taper sur la carte qu'on pense être la bonne. S'il y a autant de mains vertes que de mains rouges, à ce moment-là, on doit taper non pas avec la tapette, mais avec sa main. Avec la main gauche, si on a mis la carte verte. Ceci pour gagner un jeton moi-même fort présidente. Le but du jeu étant d'être le premier à gagner 3 jetons moi-même fort présidente pour remporter la partie.